Bonjour à tous. Alors, je suis très content de vous accueillir tous, donc avec Nathanaël pour ce séminaire de mai du GEDERIA. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc je vous rappelle que l'idée de ces séminaires, c'est d'inviter différentes personnes de la communauté pour qu'ils nous parlent de leur travail. Donc à la fois ce qu'ils font beaucoup plus récemment, mais aussi pour le rendre un peu accessible à l'ensemble de la communauté. Donc on va travailler comme d'habitude. Donc c'est-à-dire que pour que l'enregistrement se passe le mieux possible, on permet pas aux participants de parler durant le talk, mais vous êtes chaleureusement invités à poser des questions par chat si vous voulez. Donc Nathanaël pourra y réagir en direct ou pas, ou après le séminaire. Ça, il gérera ça comme il l'entend. Ouais, j'ai le chat, donc normalement, en tout cas, je vois les questions, OK. j'essaierai de réagir. Ok, bon, c'est comme tu le sens, c'est comme tu veux. Donc, mais n'hésitez pas à interagir par le chat, et à la fin du séminaire, donc on réouvrira les micros et vous pourrez discuter à loisir. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui vais faire l'animation scientifique, donc je suis très content d'accueillir Nathanaël avec un séminaire où je vais encore une nouvelle fois apprendre beaucoup de choses. Donc, Nathanaël, pour le présenter brièvement, donc il est chargé de recherche chez NRS, donc au Labri à Bordeaux. Et il est également chercheur associé donc à l'Institut Turing de Londres. Et donc, il travaille sur pas mal de choses, donc notamment sur la synthèse de programmes, sur les automates, un peu de calcul formel. Et donc, depuis qu'il a été à l'Institut Turing, il a aussi essayé de mettre un peu d'apprentissage automatique au sein de cette thématique de synthèse de programmes. Et c'est ça dont il va nous parler là tout de suite. Donc, Nathanaël, je vais tout de suite te laisser le terrain et te laisser présenter. Et encore merci de nous donner ce séminaire. Merci Sébastien. Alors du coup, est-ce que je parle en français? Ah, ça c'est toi qui vois. J'imagine du coup qu'il n'y a que des francophones. Are there any non-French speaking people? Should I speak in English? Speak up now or In the chat. in Alors, the chat? ça ne semble pas être le cas, donc tu peux choisir, c'est up to you. Ok, et bah du coup, je vais parler en français. Excellent, vous m'entendez bien? On est parti. Je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent, donc j'attends juste une seconde. Hop. Donc déjà, j'ai changé le titre. Le titre de l'abstract, c'était Machine Learning Guided Program Synthesis. Là, c'est une petite variante. Neural Guided, c'est juste parce que on peut considérer d'être guidé par un certain nombre de modèles de machine learning. En fait, concrètement, ce qu'on fait, ce qui ne va pas avoir beaucoup d'influence sur cet exposé, mais c'est surtout en utilisant des réseaux de neurones. Donc cet exposé, c'est un peu plus une introduction que vraiment discuter de ce papier. Donc on a un papier à AAAI qui un peu avance sur ces questions-là, mais dans cet exposé, c'est vraiment plus une introduction à qu'est-ce que c'est que Neural Guided Program Synthesis, à quoi ça sert et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en recherche autour de ça. Donc, il y a à la fois un papier et il y a aussi un tool sur GitHub, DeepSint, qui est censé être utilisable et facilement adaptable à d'autres questions. Donc, c'est un peu aussi l'objectif de cet exposé, c'est de vous dire peut-être que ce genre de technique, ce genre d'outil peut être utile pour votre question. Voilà. Alors, en petite présentation de ce que je fais, tout sur une slide, c'est une slide que j'avais pendant ma soutenance d'HDR et je pense qu'elle résume assez bien où est-ce que je me place aujourd'hui. On a d'un côté les techniques d'apprentissage, machine learning, qui sont efficaces. On a de l'autre côté des méthodes qu'on pourrait appeler de méthodes formelles qui sont reliable, sûres. Et ce en quoi je crois, c'est simplement que le futur est entre les deux, à savoir que le futur, c'est d'arriver à combiner des techniques d'apprentissage, des techniques de méthodes formelles pour avoir le meilleur des deux mondes, l'efficacité et les garanties. Et donc, il y a un peu deux manières de voir ça. Soit on part des méthodes formelles et on améliore
pardon, part de l'apprentissage et on améliore ses garanties en utilisant des méthodes formelles, ou alors inversement, on part des méthodes formelles, on améliore leur performance en utilisant de l'apprentissage. Et donc, en fait, ici, ce sera le deuxième point de vue que je vais utiliser, c'est-à-dire que je vais parler d'un problème qui est traditionnellement très étudié en méthodes formelles, la synthèse de programme, et je vais expliquer un espèce de cadre général dans lequel on peut utiliser de l'apprentissage pour améliorer les performances, plus précisément pour guider la synthèse de programme. Alors, si vous avez lu l'abstract, vous avez vu qu'on parle de airport screening. Alors, comment on va dire ça, airport screening? Je n'ai pas une traduction excellente. Bon, donc on va dire airport screening. Et donc, c'est quelque chose qu'on a découvert après avoir soumis notre papier à AAA. Et en fait, il se trouve que c'est extrêmement relié. C'est la même question et il y a même, dans un sens, la même solution. Donc, du coup, comme c'est un exemple un peu plus concret et parlant, je vais commencer par ça. Et donc, c'est réel dans le sens où ça a été publié dans une conférence très, très pratique sur la sécurité et la défense dans les aéroports. Et ce genre de techniques sont vraiment utilisées. Par contre, on va voir que c'est un petit peu douteux d'un point de vue éthique. Donc, c'est juste un espèce d'avertissement. Ce n'est pas vraiment le genre d'application sur lesquels je travaille. Mais bon. Alors, voici le problème. Donc, imaginons qu'on ait une population de les gens qui vont dans les aéroports, qui voyagent, et parmi ceux-là, bah, y a potentiellement des terroristes. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est scanner les gens, c'est-à-dire quand ils passent, quand ils embarquent dans leur avion, on fait un scan qu'on va supposer plus ou moins fiable et qui permet de dire oui, cette personne est un terroriste ou n'est pas un terroriste. Et la question, c'est comment on décide de qui scanner. Évidemment, l'idée, c'est qu'on ne peut pas se permettre de scanner tout le temps tout le monde et donc il faut faire un peu des choix. Il faut un algorithme de choix de qui scanner. Alors, si je vous dis rien comme ça, ben, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à dire. L'idée, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle un prior. Encore une fois, la traduction m'échappe. Donc, il faut penser en termes bayésiens, on a des préjugés sur notre population. Alors, pour essayer d'être politiquement correct, je vais juste parler d'hommes et de femmes. Donc, dans ma population, j'ai des hommes et des femmes. Et disons qu'on a le préjugé que les hommes sont... ont 9 fois plus de chances d'être des terroristes que les femmes. Et donc la question, c'est avec cette information supplémentaire, comment on décide de scanner les gens? Est-ce qu'on scanne... Donc évidemment, on a envie de scanner les hommes plus souvent, mais comment? D'accord. Et donc mathématiquement, qu'est-ce que ça veut dire? On a une distribution D sur une population X, donc X c'est notre ensemble de personnes, on va voir plus tard que ça représente des programmes, et il y a une distribution D qu'on ne connaît pas qui nous représente notre prior, c'est-à-dire en termes bayésiens, ce qu'on estime être la probabilité que cette personne soit un terroriste ou pas. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Alors là, on va regarder une classe d'algorithmes assez particulière. C'est ce qu'on appelle les algorithmes d'échantillonnage avec remplacement, avec replacement. Replacement, avec remise, c'est ça. Wow. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un algorithme d'échantillonnage avec remise? On prend un individu, on le scanne et on le remet dans la boîte de toute la population. C'est-à-dire qu'on ne va pas... assurer qu'une même personne ne sera pas scannée plusieurs fois. Alors en fait, ça c'est pas. Il y a de bonnes raisons de faire ça, qui ici ne sont pas forcément très bien motivées dans ce cadre de l'aéroport, mais dans le cadre de la synthèse de programme, il y a de bonnes raisons de faire ça, on y reviendra plus tard. Et donc tout simplement, l'objectif naturel, ça va être de minimiser en espérance le nombre de scans qu'on fait avant qu'on trouve un terroriste. Donc, on va scanner un certain nombre de gens. Ici, j'ai une espérance parce que j'ai un algorithme randomisé et que j'ai une prior distribution. Donc, j'ai une distribution probabiliste qui décrit mes connaissances sur la population.
Et donc, ce que je veux, c'est sur ces probabilités de minimiser le nombre de scans que je fais avant de trouver un terroriste. Et donc, ça, cette valeur-là, cette espérance, on appelle ça la loss. Donc, l'objectif, c'est de trouver un algorithme qui minimise la loss, au sens qu'il trouve un terroriste en le moins de scans possible en espérance. Donc, il y a une approche naïve, évidente, qui est bah, si j'ai une prior distribution D, ben, je vais utiliser cette distribution D pour tirer au hasard. Donc, si je pense que les hommes sont 9 fois plus. Il y a 9 fois plus de chances qu'un homme soit un terroriste qu'une femme, ben, je tire 9 fois plus d'hommes que de femmes. Et en fait, quand on fait le calcul, c'est pas très compliqué, on va le voir plus tard dans un exemple concret, c'est pas optimal. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on ne va pas minimiser la loss qui est ici. Alors en fait, l'optimal n'est pas très loin, c'est ce qu'on appelle racine de D. Donc racine de D, c'est une distribution qu'on obtient à partir de D, et pour le dire vite, c'est juste proportionnel à la racine de la probabilité. Donc si on écrit l'équation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distribution racine D pour un individu X, c'est racine de D de X, donc racine de la probabilité, et ensuite il y a ce terme rouge qui est juste une renormalisation, donc on divise par la somme des racines quand ça existe. Et donc on peut montrer que ce racine de D est effectivement optimal au sens où c'est la distribution qui minimise la loss. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ça sur un exemple, qui est peut-être l'exemple, enfin qui est l'exemple le plus simple qu'on puisse voir et qui, je pense, permet de comprendre donc square root sampling theorem. Imaginons qu'on a donc juste deux individus qu'on va appeler head et tail, donc c'est pile et face, et on a notre pièce qui tombe sur face avec probabilité p et pile avec probabilité 1 moins p. Donc ça, c'est lancé une seule fois, soit head, soit tail est un terroriste et l'autre ne l'est pas. Et la question, c'est maintenant, on veut choisir une distribution D', donc avec une probabilité P'. On va lancer notre pièce un certain nombre de fois et on s'arrête dès qu'on a trouvé le terroriste. Mais l'idée, c'est ça qui est important, c'est qu'on fait ça avec remise, donc on ne se souvient pas des tirages précédents. Donc c'est vraiment une distribution, on fait des tirages indépendants. Et donc là, on peut calculer quel est le P' optimal. Donc si on réécrit la loss de tout à l'heure, on cherche le P' qui minimise une certaine valeur, et quand on fait les calculs, on tombe sur cette équation qui nous dit P sur P' plus 1 moins P sur 1 moins P'. Et donc là, il y a une espèce d'asymétrie, on a une équation du second degré. Et donc, comment on résout ça? Alors, il se trouve que là, le P' optimal, c'est le racine de P sur racine de P plus racine de 1 moins P. Donc en bas, c'est ce facteur-là, c'est la normalisation. Et donc, on a bien cette distribution racine de D dont je parlais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un peu intuitivement? Si on écrit ça comme ça, ici, je vais mettre 0, 1, j'ai 1,5. Supposons que notre P soit un petit peu biaisé vers 0. Donc ça, c'est P. L'idée, c'est de dire que l'optimal, le racine de D, en fait, va se trouver un petit peu ici. C'est-à-dire qu'on ne veut pas biaiser exactement de la même manière que la distribution D, on veut biaiser, mais en se rapprochant un petit peu plus de l'uniforme. Et donc, il se trouve que, comme on peut le voir par le calcul, c'est ça qui est optimal. Donc, pour en revenir à cette question de airport screening, ça veut dire que si on suppose que les hommes sont... Il y a 9 fois plus de chances qu'un homme soit un terroriste qu'une femme, alors l'optimal et de scanner les hommes 3 fois plus. Donc racine de 9 égale 3. Et donc c'est la conclusion de ce fameux papier. Et en fait, on va voir, donc maintenant je vais transcrire tout ce que je viens de raconter en synthèse de programme, et vous allez voir que c'est exactement la même question, et donc exactement la même réponse. À savoir cette square root sampling rule. Donc finalement, j'en viens à ce à quoi je veux parler dans cet exposé, la synthèse de programme. En fait, plus précisément, je parle de synthèse de programme inductive. Donc, il y a plusieurs types de synthèse de programme. La synthèse inductive, c'est probablement aujourd'hui la plus étudiée.
Et qu'est-ce que ça veut dire inductive? Ça veut dire qu'on va partir d'un certain nombre d'exemples, donc un petit nombre d'exemples, et à partir de ces exemples, on veut trouver un programme qui donc satisfait ces exemples. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez que je vous dis, je cherche, donc je suis là, je cherche un programme. C'est un programme qui manipule des listes d'entiers, donc qui prend en entier une liste d'entiers et qui me donne en sortie une autre liste d'entiers. Et ce que je veux, c'est que ce programme sur la liste 1, 5, 4, 2 me donne le programme 2, 4, enfin me donne la liste 2, 4, et sur 6, 3, 0, 8 me donne la liste 0, 6, 8. Alors, là concrètement, un programme qui satisfait ça, ce serait par exemple, je trie la liste, donc mon sort. Donc 1, 5, 4, 2, j'aurai 1, 2, 4, 5. Et ensuite, j'applique un filtre pair pour ne garder que les nombres pairs. Et donc j'aurai 2, 4 et je peux vérifier que 6, 3, 0, 8, ça va me faire 0, 3, 6, 8. J'enlève le 3 parce qu'il est impair et j'ai 0, 6, 8. Donc ceci est un programme qui est une solution. Il peut y avoir potentiellement beaucoup de solutions, mais c'est un programme solution à ma question. Donc la synthèse inductive, c'est la chose suivante. Je vous donne un petit nombre d'exemples qu'on peut imaginer qui sont donnés par un utilisateur, et il faut trouver un exemple qui, un programme, pardon, qui satisfait ces exemples. Donc l'idée, c'est de généraliser à partir de quelques exemples. Alors il y a une chose sur laquelle on va revenir, c'est quel est le langage de programmation. Donc quand je dis un programme, évidemment, là il y a une grosse inconnue, c'est dans quel comment on écrit ce programme-là. Donc, ce qu'on fait en synthèse de programme, c'est typiquement de se fixer ce qu'on appelle un langage domaine spécifique. Donc, selon la tâche qu'on a, donc là, par exemple, si on veut manipuler des listes d'entiers, on va se donner un langage spécifique qui manipule les listes d'entiers. Évidemment, on peut aussi faire ça pour des langages génériques, Python, Bash, etc. Mais plus le langage est expressif, plus le langage est général, et plus ça va être compliqué. Alors, pour rendre les choses un peu plus concrètes, je vais parler de deux exemples de synthèse de programmes inductifs qui font beaucoup de bruit en ce moment. Donc, le premier, c'est Codex. Codex, s'appelle aussi Copilot. Alors, en fait, Codex, c'est l'algorithme, vraiment, le modèle qui est derrière. Et Copilot, c'est ce qui a été distribué sur GitHub. Donc maintenant, depuis quelques mois sur GitHub, on peut installer le copilote. Qu'est-ce que c'est le copilote? C'est présenté comme un assistant de programmation. Donc c'est simple, vous voulez écrire une fonction parse expenses, mais vous n'avez pas envie de l'écrire parce que peut-être vous n'êtes pas un programmeur expert ou peut-être vous avez juste envie de le générer automatiquement. Et donc l'idée, c'est de donner à Copilot, ce truc-là. Donc, c'est un docstring qui décrit la fonction en langage naturel. Donc, là, on voit qu'au début, là, il y a du langage naturel qui décrit un petit peu ce qui se passe. Et là, il y a un certain nombre d'exemples. Et donc, qu'est-ce que fait Copilot? Il lit tout ça, ce docstring, et il propose le code qui est là. Donc, c'est de l'autocomplétion de code. À partir d'un docstring ou à partir, en fait, ça pourrait être aussi un programme partiel, Codex propose un programme. Et donc, l'idée, c'est que c'est un copilote dans le sens où c'est dans une boucle d'intégration qu'on va trouver le programme qu'on cherchait. Donc, éventuellement, ce programme n'est peut-être pas correct. On peut proposer des modifications et copilote continue à proposer un code. Donc ça, c'est un exemple qui marche très très bien, qui est très impressionnant de comment faire de l'autocomplétion de code. Un autre exemple qui en fait est un peu plus vieux, c'est SmartField. Donc SmartField, c'est si vous utilisez la version Excel de Google, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà, les feuilles sur Google. Vous avez accès à SmartField. Donc SmartField, qu'est-ce qu'il fait? Imaginez qu'on ait donc deux ou plusieurs colonnes et qu'on veut remplir d'autres colonnes. Donc, par exemple, Hi Gerald, les emails et les zip codes. Alors là, on voit bien qu'on pourrait extraire l'information des deux colonnes de gauche.
Le faire à la main, ce serait fatigant. Et d'écrire un script, d'écrire une petite macro qui va chercher, donc là par exemple, Hi Gerald, c'est on veut prendre Hi et on veut prendre le nom de la personne dans la première colonne et le mettre là. Donc tout simplement, on voit qu'il y a une espèce de, il y a un petit macro, une petite macro qui fait ça. Et l'idée, c'est de dire à SmartField, tiens, voilà ce que je fais sur la première colonne, la première ligne, pardon. Et maintenant, à toi de remplir le reste. Et donc l'idée, donc ça, c'est vraiment le concept de programmation par l'exemple. J'ai donné un exemple à SmartField de remplir le reste. Et donc la réponse n'est pas correcte, on peut dire non, non, voici un deuxième exemple, etc. Et continuer à itérer jusqu'à trouver effectivement le bon programme, donc la bonne macro. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs manières de considérer, d'imaginer ce qu'est un programme. Dans ce cas-là, c'était vraiment un programme au sens classique, un morceau de code Python. Pour SmartField, c'est des macros dans Excel. Mais en fait, la notion de programme est vraiment très, très générale. Et il y a beaucoup d'autres applications à la synthèse de programme, où programme peut signifier d'autres choses. Voilà. Donc là, j'ai motivé la synthèse inductive. Maintenant, je vais vous parler de comment ça se fait aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis à peu près 2017? C'est ce qu'on appelle le Neural Guided Inductive Synthesis, qui a été la source, j'ai envie de dire, la première réalisation pratique de ce Neural Guided Inductive Synthesis, c'est le DeepCoder en 2017. Et depuis, c'est un peu une idée qui a explosé, qui est très, très répandue dans les communautés AI, machine learning, et qui a vraiment permis de faire un gros saut en avant par rapport à ce qu'on savait faire en synthèse de programme jusque-là. Donc, pour un peu présenter le schéma général, qu'est-ce qui se passe? On a trois petites boîtes qui interagissent entre elles, les prédictions, la recherche et l'évaluation. Donc déjà, la première chose, le centre de tout ça, c'est la recherche. Donc la synthèse de programme, c'est une recherche symbolique, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de programmes, qui est tous les programmes qu'on peut écrire dans notre langage de programmation. Alors, je vais y revenir. On va voir qu'on va représenter ça à l'aide d'une grammaire qui permet de générer tous les programmes possibles. Et ensuite, on fait une recherche symbolique, c'est-à-dire qu'on va énumérer ou chercher un programme qui satisfait nos exemples. Donc jusque-là, il y avait beaucoup de techniques qui permettaient de faire de la recherche symbolique de manière efficace. À chaque fois qu'on a un candidat, donc ce qu'on appelle un programme candidat, on le donne à une boîte d'évaluation. L'évaluation va juste vérifier est-ce que le programme satisfait mes exemples. Si oui, je m'arrête, voici la solution. Sinon, eh ben je dis non, ce programme n'est pas correct et peut-être éventuellement on peut obtenir des informations du fait qu'il ne soit pas correct et utiliser ces informations pour améliorer la recherche. Donc ce qui est nouveau, ce qui apparaît en 2017 pour le Neural Guided Synthesis, c'est l'idée de faire des prédictions. Donc qu'est-ce que c'est ces prédictions? On va revenir dessus. L'idée, c'est de regarder les exemples, de donner les exemples à un réseau de neurones, et en analysant ces exemples, le réseau de neurones va être capable de prédire un certain nombre de propriétés du programme qu'on cherche. Donc il n'est pas capable de trouver le programme lui-même, ça ce serait beaucoup trop demander à un réseau de neurones. Par contre, il est capable de décrire certaines propriétés. Et avec ces propriétés, donc avec ces prédictions sur les propriétés, on va pouvoir améliorer, on va pouvoir guider la recherche. Et donc améliorer significativement les performances. Alors, pour être un petit peu plus concret, qu'est-ce qui se passe? L'idée, c'est de regarder dans les exemples. Donc, je reprends le même exemple que tout à l'heure. J'avais une paire d'input-output. Donc, on va donner cette chose-là à un réseau de neurones. On va encoder ça dans des vecteurs et donner ça à un réseau de neurones. Et on va lui dire maintenant, regarde bien là-dedans, est-ce que tu reconnais des motifs, des patterns qui sont utilisés dans des qui te permettent de détecter que telle ou telle primitive
de mon langage de programmation soit utilisé. Et donc là, ce à quoi on s'attend, c'est que par exemple, en regardant ces exemples-là, le réseau de neurones soit capable de détecter, je pense, avec une forte probabilité, on a utilisé un sort dans le programme solution. Et pourquoi ça? Bah, simplement, il va regarder les listes en sortie, il va dire bah, les deux listes sont triées. Puisque les deux listes sont triées, ça me donne une bonne indication que probablement on a utilisé un sort quelque part dans le programme. Il ne sait pas ce que c'est le programme en entier, ce serait trop lui demander de sortir le programme. Par contre, de dire probablement qu'il y a un sort, ça, c'est quelque chose que le réseau de neurones est capable de faire de manière relativement efficace. Et de la même manière, il va être capable de prédire peut-être qu'il y a ou probablement qu'il y a une fonction qui filtre les nombres pairs, parce que je vois que les nombres pairs qui sont dans les listes en entrée apparaissent dans les listes en sortie, mais pas les autres. Donc c'est ce genre de motif que le réseau de neurones va être capable de détecter, et cette détection, il va la transformer en prédiction sur les primitives utilisées. Alors maintenant, je parle un tout petit peu de représentation de programme pour rendre les choses un petit peu plus concrètes. Donc, c'est ce qu'on appelle un DSL, un langage de programmation donc spécifique à une tâche qu'on veut résoudre. Alors là, je prends toujours le même exemple, c'est celui des programmes qui manipulent des listes d'entiers. Donc, on va avoir un DSL, en fait, c'est juste une liste de primitives qui sont les primitives qu'on peut utiliser dans notre langage. Donc, par exemple, là, je vais dire, bah, j'ai le droit à une primitive de tri, je peux trier une liste. Je prends une liste d'entiers et je ressors cette liste d'entiers triée. On pourrait avoir un successeur, donc une arithmétique aussi développée qu'on veut, selon les primitives qu'on met. Je prends un entier, je sors le suivant, etc., etc. Et on peut avoir aussi des primitives beaucoup plus compliquées, par exemple map, qui va prendre une fonction d'un type T0 vers un type T1 et une liste de T0 et va donc appliquer la fonction à chaque élément de la liste et en faire une liste T1. Donc ça, c'est un paramètre de mon problème de synthèse de programme. Je dois fixer un DSL, fixer mon langage de programmation avant de commencer à faire de la synthèse pour dire, OK, là, je m'intéresse à des programmes qui manipulent des listes d'entiers et voici les primitives que je veux utiliser dans mes programmes. Une fois qu'on a ça, en fait, classiquement, en sémantique des langages de programmation, on va compiler ça dans une grammaire hors contexte. Donc, ça veut dire qu'on a une CFG, une grammaire hors contexte, qui est capable de générer tous les programmes bien typés, tous les programmes cohérents utilisant ces primitives. Et donc, c'est là qu'on revient à l'image qui est au-dessus. Cette grammaire qui génère des programmes qui, si j'ai écrit de manière très abstraite, en fait, c'est juste une manière de représenter, de décrire tous les programmes qu'on peut générer avec un ensemble fini de primitives qu'on s'est donné. Voilà. Alors, là, on a des grammaires, ce qu'on pourrait appeler non déterministes. Elles génèrent tous les programmes qu'on pourrait vouloir. On va rajouter des probabilités dessus. Ces probabilités, c'est celles qui... L'objectif, c'est de représenter les prédictions. Donc là, j'ai une grammaire classique, une grammaire hors contexte. Donc pour être un peu plus concret, ici j'ai deux non-terminaux, S et T, et je peux générer un certain nombre d'arbres. Donc un arbre comme celui-là représente un programme. J'utilise ici une primitive F, encore une fois, puis une primitive G, et j'ai A et B qui sont des variables ou des constantes. Et donc, en les organisant comme ça dans un arbre, je représente la syntaxe abstraite, le AST de mon programme, l'arbre de syntaxe abstraite du programme. Donc ici, c'est un exemple de programme et un autre exemple de programme, tous les deux générés par cette grammaire. Maintenant, je vais rendre cette grammaire probabiliste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, simplement, pour chaque règle possible, donc depuis S, je peux générer F, SS ou G de T, je vais mettre une probabilité. Donc, je vais dire depuis le non-terminal S, avec probabilité 1 quart, j'ai un F, avec probabilité 3 quarts, j'ai un G. Et depuis T, avec probabilité 2 tiers, j'ai un A, 1 tiers, j'ai un B, etc.
Et donc, ça veut dire que maintenant, le processus qui avant était non déterministe, qui permettait de générer tous les programmes possibles, maintenant assigne une probabilité à chaque programme, qui est la probabilité qui soit générée par ce processus stochastique. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une PCFG, une Probabilistic Context Free Grammar, c'est une distribution sur les arbres, et les arbres, c'est ce qui représente nos programmes. Donc, une PCFG, c'est juste une manière très générale, très générique, formelle, de représenter une distribution sur les programmes. Donc, maintenant que j'ai dit tout ça, je peux revenir plus précisément à qu'est-ce que c'est que mes prédictions. Donc, ça, c'est ce que j'appelle le modèle de prédiction. Donc, ici, typiquement, on va mettre un réseau de neurones, mais à ce niveau de généralité, on pourrait mettre n'importe quel modèle d'apprentissage. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte noire. Je lui donne des exemples, donc que j'encode pour que le modèle puisse les lire. Et le modèle me sort un certain nombre de flottants qui représentent les poids probabilistes à mettre sur ma grammaire. Donc, c'est les probabilités pour chaque primitive qui me permettent de transformer ma grammaire non déterministe en une grammaire probabiliste. Alors, pour être un tout petit peu plus concret, donc mon modèle de prédiction, par exemple, il va prendre mes exemples en entrée et il va me donner un certain nombre de probabilités. Donc, par exemple, quelle est la probabilité que j'utilise la primitive sort après une primitive filtre? Et donc là, je m'attends à ce que cette probabilité soit élevée. Par contre, la probabilité d'utiliser un sort après un rêve, donc qui retournerait la liste, serait assez faible. Et donc, ces ensembles de toutes ces probabilités retournées par le modèle de prédiction me permettent de transformer ma grammaire représentant tous les programmes en une grammaire probabiliste qui représente les programmes les plus probables d'être solution. Donc, c'est ça que le modèle fait. Il prend les exemples et il décrit une distribution, donc on pourrait voir comme une prior distribution, qui, pour tous les programmes, assigne une probabilité, qui est la probabilité que ce programme soit effectivement une solution, soit la solution que je cherche, à savoir satisfasse les exemples donnés. Et donc maintenant, on est exactement revenu au début de cet exposé, à savoir j'ai une distribution, une prior distribution sur un ensemble ici infini de programmes. Comment je fais pour trouver le programme en question? Donc tout à l'heure, on avait parlé de ça dans le cadre du AirSpot Screening. On avait une population, on avait des priors sur cette population, et ensuite on cherchait des terroristes. Là, c'est exactement la même chose. On a une distribution, on a une prior distribution sur les programmes, et à partir de là, on va chercher un programme solution en s'aidant de l'information qu'on a sur cette distribution. Alors, la question qu'on avait regardée précisément, qui nous intéressait dans ce papier AAAI que j'ai mentionné au début, c'est ce qu'on appelle déployer ce modèle de prédiction. Alors, je vais rendre ça un petit peu plus concret ici. On va prendre une distribution très très simple. Imaginons que ma population, c'est juste les entiers non nuls. Et que ma distribution, D2N, c'est 1 sur 2 puissance n. Donc, 1 à probabilité 1,5, 2 à probabilité 1 quart, 3 à probabilité 1 huitième, etc., etc. Et maintenant, la question, c'est si je vous dis, voici la distribution que j'ai utilisée sur mes programmes, trouvez le programme que j'ai généré comme ça. Alors, le plus naturel, c'est effectivement de les énumérer dans l'ordre 1, 2, 3, 4, parce que 1 est le plus probable, il a probabilité 1,5, 2 a probabilité 1 quart, etc. Donc, en faisant ça, on va probablement trouver le plus vite possible le programme qui a été généré. Si on fait le calcul, la loss, à savoir le nombre de programmes qu'on va essayer avant de trouver le bon, est de 2. Ça veut dire qu'en moyenne, après 2 essais, on va trouver le bon programme. Donc ici, juste un nombre entier. En fait, on peut avoir une autre approche que l'énumération, qui serait, comme ce dont on parlait pour le AirPort Screening, qui serait de l'échantillonnage.
On peut tout simplement prendre la distribution D et faire de l'échantillonnage, donc encore une fois, avec remise. Là, catastrophe, on calcule la loss et on se rend compte qu'elle est infinie. C'est-à-dire que si on utilise ça, si on dit juste je tire au hasard des nombres les uns après les autres en utilisant D à chaque fois, en oubliant ce que j'ai fait avant, donc vraiment avec remise, alors en espérant, ça va me prendre un temps infini de trouver le bon programme. Par contre, et c'est ça qui est surprenant et c'est toute la beauté de cette, toute la force de ces algorithmes d'échantillonnage, si je remplace D par racine de D, donc qui simplement donne à n la probabilité racine de 2 puissance n, normalisée comme il faut, et bien là, on peut calculer la loss, et elle est à peu près de 5,83. Et donc, il faut comparer ces deux nombres-là. 5,83, c'est à peine plus que 2, c'est pas beaucoup plus que 2, et on a un algorithme très très simple qui n'utilise aucune mémoire et qui est très facile à implémenter et à paralléliser, qui dit simplement, eh ben, je vais tirer mes programmes au hasard en utilisant ce racine de D, et en à peu près 5 ou 6 tirages, je vais trouver le bon programme. Donc pour résumer, il y a un petit peu deux approches naturelles pour résoudre ce problème de déploiement d'un modèle prédictif, l'échantillonnage et l'énumération. Donc j'en arrive à ce que nous, on a vraiment fait dans ce papier. En fait, c'est vraiment juste un slide qui décrit ce qu'on a fait dans le papier, mais je vais aller dans aucun détail. Donc, il y a trois contributions dans le papier. Il y a un algorithme qui s'appelle HeapSearch, dont l'objectif, c'est de faire de l'énumération optimale. Donc optimale au sens où c'est un algorithme qui minimise la loss telle que je l'avais définie tout en haut. Donc c'est un algorithme qui va minimiser en espérance le nombre de programmes qu'on va essayer avant de trouver un programme, avant de trouver un programme solution. Et donc l'idée, c'est, ça s'appelle HeapSearch parce qu'il y a on utilise un certain nombre de tas qui sont interconnectés et ces tas permettent de essentiellement représenter les programmes partiels qu'on a déjà étudiés. Et grâce à cette structure de données avancée, on peut facilement décrire le prochain programme le plus intéressant à générer. La deuxième contribution, c'est un pré-processing qui permet de faire de la parallélisation à moindre coût. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on a une grammaire qui génère tous les programmes et on cherche un programme là-dedans. Comment faire pour paralléliser cette recherche? Parce qu'évidemment, si on peut diviser ça en plusieurs architectures, ce sera beaucoup plus efficace. Le problème, c'est comment s'assurer que chaque CPU fasse un travail indépendant. Et donc, on a cette notion du grammar splitter, qui est un algorithme qui prend une grammaire et la divise, la partitionne en un certain nombre de sous-grammaires qui sont toutes indépendantes. Ce qui fait qu'on peut donner une grammaire à chaque CPU et ainsi faire une recherche indépendante sur chacun des CPU. Et la troisième contribution, c'est celle dont je vous ai déjà parlé tout au long, c'est le square root sampling, c'est de dire qu'en fait, on peut faire de l'énumération, mais on peut aussi faire de l'échantillonnage, optimal au sens qui minimise la loss parmi les algorithmes d'échantillonnage, et donc qui donne un algorithme conceptuellement très très simple pour faire du déploiement de modèles en utilisant seulement de l'échantillonnage. Alors malheureusement, je n'ai pas le temps du tout d'entrer dans les détails techniques de ce qui se passe là-dedans. Évidemment, je serais très content d'en parler avec vous plus tard, pendant les questions ou même après. Et si vous voulez en savoir plus, évidemment, le papier AAAI est sur Archive. Alors juste pour conclure, donc ça c'est une figure, c'est une des expériences qu'on a fait, l'expérience principale, où on a pris donc 138 tâches, donc ils sont 138 problèmes instances de la synthèse de programme, où on donne un certain nombre d'exemples et on cherche un programme, et on a comparé les performances d'un certain nombre d'algorithmes de déploiement,
certains existants, donc typiquement le ASTAR, qui est un algorithme classique pour ce type de recherche, des algorithmes de DFS, le SortonAd, qui était l'algorithme original du Deep Coder dont j'avais parlé tout à l'heure, et un des meilleurs, qui est l'algorithme Threshold. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le heap search va être plus performant que les algorithmes existants, parce qu'il est capable de générer à la fois les programmes les plus prometteurs et de faire ça le plus vite possible, le plus efficacement possible. Voilà. Alors, je peux éventuellement revenir discuter de ces expériences. En résumé, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que c'est que la synthèse de programme? C'est un ensemble d'outils les plus génériques possibles. Donc là, vous voyez qu'en fait, je suis parti de programme, mais qu'est-ce que je fais concrètement? Je m'intéresse à des grammaires et à faire de la recherche symbolique sur ces grammaires. On a donc un ensemble d'outils qui permettent de faire de la recherche symbolique sur ces grammaires, surtout en utilisant, grâce à des prédictions données par des modèles prédictifs d'apprentissage. Et donc, alors concrètement, si vous voulez jouer avec ça, vous pouvez regarder notre tool DeepSync qui est disponible sur GitHub. Et donc, où est-ce qu'on va avec ça? Alors, il y a beaucoup de possibilités qu'on est en train d'explorer en ce moment, qui sont différents domaines qui finalement sont tous réductibles à cette question de je veux faire une recherche symbolique dans un espace qu'on peut décrire par une grammaire et sur lequel je peux décrire un certain nombre de prédictions grâce à des techniques d'apprentissage. Je vous remercie pour votre attention et je serai très content de discuter, répondre à vos questions.